Et puis, lorsqu'elle est brevetée à 17 ans en avion, eh bien, il y a belle lurette déjà qu'elle sait piloter. Elle passe une licence de philosophie. Elle renoue avec l'aviation en devenant chef de cabine dans la compagnie Air France, une compagnie aérienne qui n'a jamais cessé d'épauler tout son personnel qui souhaite faire l'effort de vouloir porter haute les couleurs de la France. Et grâce à cette entreprise qu'elle pourra adapter son emploi du temps pour s'entraîner à la voltige aérienne. Un avion biplace qui n'est pas son avion habituel. Mesdames et messieurs, Catherine Monory au décollage. Cet avion magnifique qui est à biplace, elle nous disait, c'est un avion qui est lent et qui est lourd. Alors vous allez voir ce qu'elle fait avec un avion qui est lent et qui est lourd. En fait, elle est habituée à la Formule 1 et là, elle est passée à la Formule 2. Pour elle, c'est un écart, mais c'est cette femme qui est aux commandes d'avions les plus puissants qu'on puisse rencontrer. C'est un peu, et c'est même pour ça que c'est la copine de Aude Le Mordant qu'on a vue en début de journée. Cette femme très dynamique dans la vie comme dans la voltige, elle va redynamiser l'Aéroclub de France, la plus ancienne institution qui préserve la mémoire des ailes françaises. Tous les deux ans, elle suit un stage, pardon, tous les ans elle suit un stage, voire même deux, voire même trois. C'était le cas de l'année dernière avec Nicolas Ivanov et monsieur qui est pilote des Red Bull Air Race. Elle veut absolument maintenir son niveau d'excellence. Un niveau qu'il faut entretenir parce que quand on a publié La sagesse de l'aviatrice, qu'on aime à rappeler cette phrase de Saint-Exupéry, l'avion c'est un moyen, c'est un outil pour réunir les hommes. Eh bien, lorsqu'elle est dans cet avion, c'est exactement ce qu'elle pense. Et alors pour le plaisir des yeux, eh bien, et sur une jolie musique, Catherine Monory. La photo, c'est maintenant. Catherine Monory va rejoindre l'axe de piste pour venir à l'atterrissage. Si vous allez dans le stand
de l'Aéroclub de France. Vous allez voir qu'il est décoré magnifiquement. Il s'agit de lapins. Le street art, les murales, c'est lapin. Et un lapin, c'est son fils. Et puis bien évidemment, celui qui a l'habitude de la commenter dans les meetings aériens, il s'appelle Jacques. Il est à ses côtés dans la vie. On le salue.